Ah! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, ici Aziz, bienvenue dans un nouvel épisode de Dealer de Métal. La chaîne on parle rock, la chaîne on parle métal, la chaîne on parle de tous ses dérivés. Aujourd'hui, les amis, c'est imminent, on l'a attendu depuis plusieurs années. Les Red Hot sont de retour, mais avec John Frusciante. J'ai pris le petit Schweppes, je me suis posé, là je suis dans une fast life. Il y a un nouveau titre qui est sorti il y a quelques heures. Donc voilà, on va écouter ça ensemble, on va se poser et puis on va voir si en fait les Red Hot, si on va retrouver la magie des Red Hot. Clairement, je sais pas à quoi m'attendre. Voilà, le dernier album The Getaway, j'avais pas plus kiffé que ça, même s'il y avait 2-3 titres, bon voilà. L'album d'avant qui a un nom chiant avec la petite mouche, j'avais kiffé, mais moi les Red Hot c'est Blood Sugar Sex Magik, Stadium Arcadium, Californication et j'en oublie un autre. By the way, bon, by the way, j'ai pas trop kiffé. Donc là, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais que ça va être du Red Hot parce que c'est la formation qu'on aime beaucoup. J'arrête de parler. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel est votre morceau préféré des Red Hot. C'est parti, let's go. Bon, ça, c'est la petite intro qui nous avait fait. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. Moi je valide de la frange et le mulet hein, d'entrée de jeu. Then China's on the dark side of the moon. Ok. Le mec n'a pas vieilli quoi. Classique Red Hot. Classique Red Hot. A personality I never knew. Get it on. No one stands alone behind the sun. Il a, je veux avoir le même physique à son âge, hein, Anthony Kiedis. Hein, je l'annonce aussi. Et le mulet aussi, j'annonce. De la fuzz. Oui, merci monsieur. Alors y a un gros truc que je comprends pas là. Je me permets juste de faire pause. Parce que déjà, Anthony Kiedis a un physique incroyable sur cette image. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut dire en vrai? C'est que bah, c'est, ça n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est clairement du Red Hot qu'on connaît, qu'on aime bien. Rien de trop révolutionnaire. Le son de gratte, John Frusciante, bon, le mec, il vient d'une autre planète. Donc forcément, il y a un jeu, il y a une touche, il y a une patte, tu vois. Vachement mélodique quand même pour un morceau des Red Hot, je trouve. Après, voilà, Anthony Kiedis, sa voix, machin, Chad Smith... Il peut se permettre de faire les patterns les plus basiques du monde. Ça va marcher. Voilà. Il y a la recette. Là, on n'est pas perdu. Ils sont pas partis sur un truc de ouf. Là, le seul truc que je comprends pas, c'est que... t'as un long couplet, un truc qui ressemble à un refrain, un long solo. On va continuer, hein, mais on est déjà à plus de la moitié du morceau. Le morceau, bon, en soi, il est cool. Mais les images sont hyper jolies. Riding on a headless horse to make the trip. Oh, il y a un petit peu de prod. Ok. En vrai c'est non. En vrai c'est trop stylé de les voir comme ça. C'est trop stylé de les voir comme ça. Tous les quatre en train de jouer pendant que l'autre saute partout. Pour l'autre en vrai ça s'applique à tout le monde. Les mecs ils ont ramené plusieurs soleils quoi. Des vrais Californiens. Ok. Bon. Alors, là à chaud là. À chaud, en vrai, à chaud. Là, ça m'a
donner la patate. En fait, ça m'a mis de bonne humeur. Et je crois que c'est ça que je recherche avec les Red Hot, c'est la bonne humeur. C'est le kiff, c'est simple. Ça te fait un petit peu voyager. Le morceau est cool. On revient à un son des Red Hot qu'on avait perdu depuis 2-3 albums, quoi. Est-ce que John Frusciante y est pour beaucoup? C'est possible. Voilà, tout est en place. En vrai, rien de surprenant, rien de nouveau. Mais vu qu'on revient à quelque chose qui nous met dans une certaine sécurité, c'est plutôt plaisant. Le clip, il est hyper beau. Le son, voilà, je pense que, de toute façon, on va nous matraquer avec que ce soit Oui FM ou RTL ou toutes ces radios-là. Le morceau va passer partout. On va pas pouvoir y échapper. Donc, je pense qu'il va falloir plusieurs écoutes pour vraiment que je m'imprègne du morceau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de voir les Red Hot en vrai au Stade de France. J'espère que ça va pas être annulé. J'espère vraiment que ça va pas être annulé. Et j'ai envie de découvrir l'album parce que c'est quand même le retour de John Frusciante. Et on attendait ça avec beaucoup d'impatience. Là, on a enfin quelque chose de nouveau et c'est cool de pouvoir écouter du son neuf des Red Hot. Donc, les amis, moi je vais vous laisser là. Laissez-moi en commentaire vos impressions, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, etc. Un gros big up à Warner de m'avoir fait confiance là-dessus. Et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur les Red Hot si ce n'est pas déjà fait. Yeah!